ce n'est pas l'arrivée de son bout de chou en septembre qui va la ralentir. Clara Luciani, qui laisse filtrer peu d'informations sur son petit garçon né il y a à peine plus de 3 mois, le 18 septembre, a déjà repris le chemin des studios. L'artiste qui montait sur scène avec son chéri, Alex Capranos, sur la scène du festival Musilac, en juillet dernier, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, vit pour et avec la musique. Au début du mois de décembre, elle indiquait dans une story sur Instagram, « Maman is back to work ». Quelques jours plus tard, l'artiste publiait une autre photo, révélant qu'elle avait repris le chemin du studio d'enregistrement. Dessus, on pouvait distinguer un écran, une guitare, un micro ou encore une sono. Ce mercredi 10 janvier, Clara Luciani est allée plus loin en postant une courte vidéo de ce studio, où on peut entendre une mélodie. En légende, elle a noté, après cœur, son précédent album sorti en 2021, note de la rédaction, triple platine, merci, et un bébé, me voici de retour en studio pour le troisième album qui se dessine un peu plus chaque jour. Je me sens super chanceuse. Clara Luciani, zoom sur le style rétro de la chanteuse en 25 clichés. Clara Luciani, une artiste heureuse, l'autrice compositrice a aussi posté des clichés de ceux avec qui elle travaille pour cet album, en indiquant notamment, on ne change pas une équipe qui gagne. La jeune maman, qui reste discrète sur sa vie privée et n'a donné que peu d'informations sur son petit garçon, avait annoncé sa naissance avec une story pleine d'humour fin septembre. À côté d'une tasse à café sur laquelle était inscrit « J'étais au concert de Clara Luciani », se trouvait une sucette, avec, noté en légende, « Here comes the sun ». Mi-décembre, les fans de la chanteuse avaient pu avoir un petit aperçu du fils du couple de musiciens. Si, bien évidemment, sa maman avait caché son visage par un émoji ours, on voyait bien à quel point Clara Luciani semblait heureuse de se trouver en studio avec son fils, portant sur le bambin un regard plein d'amour. La jeune maman de 31 ans, qui souffre d'une maladie handicapante, semble plus que jamais épanouie et ses fans seront probablement au rendez-vous de son nouvel album. Article écrit avec la collaboration de 6 Media Crédit Photo, Olivier Borde. Just me.